Sur quelle base ? Istres. Istres, c'est le sud de la France. Pas très loin de Marseille. Donc vous avez un nouveau joujou alors, hein ? Racontez-nous un petit peu. Un gros joujou, hein. Voilà, un gros, ouais. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce nouveau ravitailleur ? Il emporte beaucoup de carburant. Et il permet de faire des missions longue distance. Hein. Là, on est parti hier en fin d'après-midi de Istres. Et là, on a fait un peu plus de 12 heures de vol pour venir se poser ici. Et on avait encore des capacités pour rester en l'air quelques heures. Donc ça montre quand même une bonne partie des capacités, au moins en endurance et en capacité de temps de vol. Au voyage retour des deux rafales qui sont derrière. Et pareil, on a un vol qui va quand même durer une douzaine d'heures avec plusieurs ravitaillements en vol. Combien de ravitaillements en vol, pardon ? Alors nous, on va en effectuer deux. Et il y aura d'autres ravitailleurs qui vont décoller pour en effectuer d'autres. C'est quoi l'autonomie du Rafale ? Alors, l'autonomie du Rafale en convoyage, c'est entre 1h30 et 2h environ, entre deux ravitaillements en vol. Après, effectivement, en fonction des conditions du jour, de la consommation, des fois c'est un petit peu plus, un petit peu moins, donc c'est vraiment une estimée. Pourquoi une mission ici à La Réunion ? Ça a été décidé par le commandement. C'est un endroit où on ne vient pas forcément très régulièrement, donc c'est toujours bien de venir sur les îles. Combien de potes de ravitaillement ?